Le thème de mon message aujourd'hui est « Ce n'est qu'une question de temps ». Nous avons tous quelque chose que nous espérons voir changer. Nous combattons une maladie. Nous nous battons avec une addiction. Nous avons affaire à la peur, la dépression, l'anxiété. Nous savons ce que Dieu a promis, qu'il va restaurer notre santé, qu'il va nous libérer de cette peur. Nous avons prié, nous avons cru, mais nous ne voyons rien s'améliorer. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que dès l'instant où tu as prié, dans le monde invisible, la source de ce qui venait contre toi a été coupée. La source de cette peur, la source de l'addiction, la source de la maladie. Tu peux ne voir aucune manifestation pendant quelque temps. Il peut n'y avoir aucune évidence que les choses ont changé. C'est à ce point que plusieurs personnes se découragent. Mais il y aura toujours une période ou un temps où tu auras l'impression que Dieu n'a pas fait ce qu'il a promis. La peur vient toujours. Le rapport médical ne s'est pas amélioré. L'addiction est toujours pareille. Mais ce qui alimente ces choses a été coupé. Tu peux avoir l'impression que c'est toujours en vie, mais la vérité est que la peur est morte. La maladie est morte. Les problèmes au travail sont morts. Ne te décourage pas juste parce que tu ne vois rien se produire. Ce n'est qu'une question de temps. Un jour, Jésus quittait la Béthanie. Il a aperçu un figuier à distance. Il avait faim, alors il s'est approché pour avoir quelque chose à manger. Mais l'arbre n'avait pas de figuier. Jésus a dit à l'arbre que plus personne ne mange plus jamais de ton fruit. Il a maudit l'arbre. Mais lorsqu'il a dit, rien de l'extérieur semblait différent. L'arbre était tout autant fort et en bonne santé comme il a toujours été. Je peux entendre les disciples commencer à murmurer. Que s'est-il passé? Ça n'a pas marché. A-t-il perdu sa puissance? Ils avaient eu à voir Jésus parler à un aveugle et il a retrouvé la vue. Il avait vu parler à la tempête et calmer la mer. Mais cette fois, lorsque Jésus a parlé, rien n'a changé. Il n'y avait aucune évidence que ce qu'il avait dit s'était produit. Mais le jour suivant, pendant que les disciples passaient, ils ont vu l'arbre. Les Écritures disent que l'arbre avait flétri depuis la racine. Lorsque Jésus avait parlé à l'arbre, rien ne s'était produit de l'extérieur. Mais de l'intérieur, jusqu'à la racine, la source avait été coupée. Quand les racines sont mortes, l'arbre meurt. Il peut toujours paraître en vie. Son feuillage peut toujours être vert. Ses branches peuvent toujours être fermes. Mais ce n'est qu'une question de temps pour que l'extérieur rattrape ce qui se passe à l'intérieur. Tu peux avoir l'impression que cette maladie à laquelle tu es confronté est toujours vivante. L'anxiété est toujours aussi sérieuse qu'avant. L'addiction tout autant forte. Tu as prié et tu te demandes pourquoi Dieu ne veut rien faire. Mais Dieu a fait quelque chose. Dès l'instant où tu as prié, il a coupé la racine. Cette addiction peut avoir l'air d'être en vie, mais si tu regardes la racine, tu te rendras compte qu'elle est morte. Ce n'est qu'une question de temps pour que l'extérieur se rattrape. Cette maladie peut paraître permanente, comme si tu ne vas jamais être en santé. Il faut avoir une nouvelle perspective. Les racines ont été coupées. Ne te décourage pas parce que l'arbre a toujours des feuilles vertes. Tu ne vois aucun changement se produire. Le psalmiste a dit, la force du méchant a été coupée et la force de l'impieux va croissante. Tout ce qui cherche à te stopper, tu dois considérer que sa source a été coupée. Ça peut être un obstacle pour toi maintenant, mais ce n'est pas permanent. Ça ne va pas durer. Pourquoi? Cela a perdu sa source. Chaque jour, ça flétrit. Chaque jour, ça devient plus faible. Ça peut sembler pareil de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est en train de flétrir. Lorsque Jésus a parlé à l'arbre, il n'y avait aucune évidence que quelque chose avait changé. Peut-être que tu espères quelque chose et tu ne vois aucun signe que les choses s'améliorent. Tu déclares la foi sur ta santé, mais le rapport médical ne s'améliore pas. Tu pries pour ton enfant, mais il n'est pas en train de se remettre sur des rails. Si tu as juste quelques évidences, si tu pouvais voir un petit signe, alors tu aurais cru. Alors c'est en cela que la foi consiste. Tu ne peux pas marcher par ce que tu ne vois pas. Tu dois marcher par ce que tu connais. Père, je veux te dire merci parce que dès l'instant où j'ai prié, tu as coupé les racines. Je sais que cette maladie n'est pas permanente. La guérison arrive. Je sais que cette addiction ne marque pas la fin de mon histoire. La libération arrive.
Je sais que cette dépression n'a pas le mot final. Père, je te dis merci parce que c'est en train de flétrir. Et certaines choses dont tu te soucies, Dieu les a déjà réglées. Tu ne l'as pas encore vue, mais dans la dimension invisible, les choses ont changé. Cette anxiété pour laquelle tu pries, demandant à Dieu de l'enlever, elle est déjà partie. Ce problème au travail, Dieu a déjà coupé la source. Alors fais ta part, reste dans la foi jusqu'à ce que cela se manifeste. Continue de remercier Dieu. Continue de parler comme si tu es libre. Continue de penser comme si tu es en santé. Continue de vivre comme si tu es victorieux. J'ai parlé avec un homme qui se battait avec une addiction depuis des années. Il a dit, Joe, j'ai demandé à Dieu de m'aider, mais rien ne s'est passé. Il ne voyait rien changer de l'extérieur. Alors il a supposé que Dieu ne faisait rien. Il a vécu avec cette mentalité, je suis addictif, je ne serai jamais libéré, c'est trop fort. Il attendait de voir les manifestations avant de croire que Dieu était en train de travailler. Mais la foi dit que lorsque tu pries, tu dois croire que le miracle a été mis en mouvement. Tu ne peux pas attendre de voir l'évidence avant de croire. Tu dois croire d'abord. Tu peux ne voir aucun signe de cela. Mais au plus profond de toi, tu dois savoir que la source de cette addiction a été coupée. Quand tu sais que les racines ont été maudites, tu as une mentalité différente. Au lieu de dire un jour peut-être que cela arrivera, tu te diras ce n'est qu'une question de temps. Dieu l'a déjà déclaré. Il a déjà coupé la source et tout ce que tu as à faire, c'est de le démontrer. Je lui ai dit ce que je suis en train de vous dire. Tu peux ne rien voir se produire, mais dès l'instant où tu as prié, Dieu a fait quelque chose. Au lieu de te dire un jour je serai libéré, essaye une autre approche. Père, merci parce que je suis libéré. Merci parce que cette addiction est morte, parce qu'elle ne me contrôle pas, parce que tu as déjà mis fin à cela. Il a commencé à tenir l'attitude comme quoi cela a déjà été coupé. Il n'a pas cessé de remercier Dieu du fait qu'il soit libéré. Il parlait comme s'il était libéré. Je l'ai revu environ 6 mois plus tard. Il a dit, après 22 ans d'addiction, aujourd'hui je suis totalement libéré. Attends-tu de voir une évidence pour croire à ce que Dieu a dit de toi? Es-tu en train d'abandonner parce que tu ne vois aucun signe? Si tu te mets en accord avec Dieu, tu verras ce qu'il a fait de l'intérieur se manifester à l'extérieur. La source des choses qui cherchent à te stopper a déjà été coupée. Mais Joël, j'ai l'impression que c'est toujours en vie. J'ai l'impression que c'est plus fort que jamais. Ne te trompe pas à cause de l'extérieur. Victoria se trouvait dans notre cour un jour. Nous avons de belles roses dans le jardin. Elle a pris des ciseaux et elle a coupé l'une des roses et l'a ramenée à l'intérieur. Dès l'instant où elle avait coupé, elle est morte. Elle a été séparée de sa source de vie. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne paraissait pas morte. Elle n'était pas du tout différente des autres roses qui étaient toujours dans le jardin. Elle était toujours aussi belle, aussi colorée. Elle sentait toujours bon. Elle l'a laissée dans un vase pendant quelques semaines. Elle était juste à côté de notre cuisine. Elle paraissait toujours belle, en santé, mais pendant tout ce temps, elle était morte. Ce n'était qu'une question de temps pour qu'elle flétrisse. Il peut y avoir dans ta vie des choses comme cette rose-là. La maladie a déjà été coupée. La dépression, la peur, l'addiction. Dès l'instant où tu as prié, elle est morte, mais elle paraît toujours pareille. Tu ne sens aucune différence, aucun changement. C'est OK, ça ne veut pas dire qu'elle est toujours en vie. Tout comme cette rose, à un moment donné, elle va flétrir. Tu vas voir ce que Dieu t'a promis. Mais la Bible dit, ne vous lassez point l'âme découragée. Le premier endroit où nous perdons la bataille, c'est dans notre propre pensée. Les pensées vont te dire, rien ne s'est passé lorsque tu as prié, tu ne seras jamais en santé, tu ne vas jamais rompre l'addiction. Elle est là depuis trop longtemps. Ne crois pas à ce mensonge. Les racines ont été coupées. Ce n'est qu'une question de temps pour que tu vois les choses changer en ta faveur. Nous avons des amis. À chaque Pâques, ils nous envoient des douzaines de roses. Ces roses viennent dans de grands sacs et elles ont de grosses tiges avec la fleur au bout. Ce qui est intéressant, c'est que bien que la rose soit morte, bien qu'elle ait été coupée de la brousse, si vous mettez cette tige dans de l'eau, la rose va fleurir.
Elle est morte, mais elle va quand même fleurir. Elle n'a pas de vie, mais elle va quand même s'agrandir, s'élargir. Il y a des temps, même lorsque Dieu a coupé certaines choses, elles vont quand même s'agrandir. Bien qu'il ait coupé la racine du problème, il va s'accentuer. Tu seras tenté de dire, « Oh, cette maladie n'est pas morte, elle s'empire. Cette anxiété n'est pas partie, elle s'augmente au lieu de diminuer. » Non, reste dans la foi. Elle peut fleurir, elle peut grossir, mais elle est morte tout de même. Tout au long de la journée, Père, je te dis merci de ce que la source de ce problème a été coupée. Merci parce que tu as coupé la source de cette peur. Merci parce que tu as dit que cette maladie doit partir. Alors Seigneur, je vais me tenir en accord avec toi. Je sais que ce n'est qu'une question de temps avant que cela ne flétrisse. Quand nous essayions d'acquérir ce bâtiment, l'ancien Compact Center, nous avions fait face à tout genre d'opposition. Mais après 2 années, nous avions finalement eu de notre côté un membre du conseil de la ville. Et nous avons gagné le vote. Nous étions tellement émus. Nous savions que Dieu nous avait donné le bâtiment. Mais 3 jours plus tard, une entreprise qui possédait la plupart des propriétés autour du bâtiment a intenté une action en justice fédérale pour nous empêcher d'emménager. Je pensais que c'était la fin de l'opposition, mais elle ne faisait que commencer. Nous avons cette grosse entreprise qui se levait contre nous. Ils étaient les plus grands payeurs d'impôts au Texas. Une grande entreprise en immobilier. J'étais tenté de dire, « Dieu, qu'allons-nous faire ?» Ils avaient plus de ressources, ils avaient plus d'influence. Mais j'avais fait ce que je vous demande de faire. J'ai dit, « Père, je veux te dire merci parce que la source des personnes qui se lèvent contre nous a été coupée. Ils peuvent être plus grands, plus forts, mais je sais, Seigneur, que le fait que tu sois pour nous est plus important que le monde qui se lève contre nous. Tout comme le bourgeon de cette rose qui fleurit, même après avoir été coupé. Ne sois pas surpris si l'opposition fleurit contre toi. L'adversité fleurit. Les géants qui essayent de te stopper. Tu as l'impression qu'ils ont le dessus, mais reste en paix. Leur source a été coupée. Ce n'est pas permanent. Ce n'est qu'une question de temps. Pour que tu vois la main de Dieu. Tout était contre nous. On avait l'impression que ce bâtiment allait être retenu aux tribunaux pendant longtemps. On nous avait dit que l'autre partie n'allait jamais se retirer. Mais un jour, de nulle part, ils ont appelé pour dire qu'ils voudraient nous rencontrer. Nous nous sommes rencontrés et ils étaient d'accord que non seulement ils allaient nous laisser le bâtiment, mais aussi ils allaient nous donner en location 9000 espaces dans un parking couvert. Cette bataille légale de 2 ans a soudainement pris fin. Il peut y avoir des choses dans ta vie que tu croyais mortes. L'addiction, les problèmes au travail, la situation légale, mais maintenant elle fleurit. Elle s'agrandit. Tu penses que ta prière n'a certainement pas marché. Non, les racines ont été coupées. Cela peut fleurir, mais cela a perdu sa source. Ce à quoi tu as affaire n'est que temporaire. Ça ne peut pas durer sans la source. Cette rose paraissait si belle pendant quelques semaines. Elle avait l'air si forte et en bonne santé. Mais ensuite, soudainement, elle a commencé à flétrir. Tu es sur le point de voir certaines de ces situations soudaines, les choses pour lesquelles tu as prié. Tu crois que la source a été coupée, mais elle a l'air d'être toujours en vie. Non, tiens-toi prêt. Cette addiction est sur le point de partir soudainement. Cette dépression est sur le point de soudainement stopper. Cette dépression est sur le point d'être soudainement vaincue. Cette maladie est sur le point d'être soudainement changée. Elle est peut-être en train de fleurir maintenant. C'est un signe qu'elle est sur le point de partir. C'est un signe que tu es proche de ta percée. Tu es proche d'une nouvelle dimension. Tu es sur le point de voir la liberté comme jamais auparavant. Lorsque tu entres chez quelqu'un, tu aperçois un joli bouquet de fleurs. Elles peuvent sentir bon, elles peuvent paraître belles. Vous n'avez jamais pensé au fait que les fleurs sont mortes et que dans quelques semaines, elles vont être jetées. Lorsque les choses négatives explosent dans ta vie, tout comme ces roses, elles peuvent paraître permanentes, comme si elles seront là pour toujours. Tu dois te rappeler d'une chose, ce n'est que temporaire. Cette maladie peut être en train d'exploser. Elle a l'air si impressionnante. Je connais un secret, elle ne va pas durer longtemps. Ce problème dans ton mariage paraît permanent. Non, ça aussi, ça va passer. Ton enfant a déraillé. C'est comme s'il va rater sa destinée. Non, la source de ce problème a été coupée.
Ça peut être en train d'exploser maintenant, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas mort. Dieu a déjà mis une fin à cela. Ça prendra peut-être un peu de temps pour voir ce que Dieu a promis, mais c'est en chemin. Ne te mets pas à l'écart. Ne sois pas découragé à cause de ce qui ne se produit pas. J'ai entendu les gens dire que l'ennemi fait plus de bruit quand il est sur le point de partir. Vous pensez au fait que lorsque Jésus demandait aux démons de quitter les gens, très souvent ils partaient en laissant un grand cri. Ils faisaient du bruit, toutes ces agitations. Lorsque l'ennemi attise des problèmes dans ta vie, faisant beaucoup de bruit, ta santé s'est dégradée, tes finances ne sont pas bonnes, ton enfant se comporte de la pire des manières. Ne panique pas, c'est un signe qu'il est sur le point de partir. Il fait plus d'agitation lorsqu'il est sur le point de partir. Il y a une dame qui avait eu un rêve. Dans le rêve, elle était chez elle. Elle a vu une personne au regard très méchant venir et commencer à prendre ce qui lui appartenait. Elle regardait depuis le deuxième étage de sa maison. Cette personne était en train de mettre ses affaires dans un gros sac. Dans ce rêve, elle a commencé à prier. Elle a dit « Au nom de Jésus, j'ai autorité sur toi. Laisse mes choses tranquilles. » Cet homme a commencé à se moquer d'elle. Il a dit « Je n'ai pas à t'écouter. Je n'ai pas peur de toi ni de ta prière. » Il a continué à parcourir la maison, mettant ses affaires dans ce sac-là. Elle a dit encore « Tu dois partir. » Il a ri et il a dit « Je ne dois pas partir. Tes prières ne m'arrêtent pas. Tu n'as aucune autorité sur moi. » Mais cette fois-ci, elle a remarqué que pendant qu'il le disait, il avait commencé à déposer toutes ses choses au sol. Il continuait de se moquer d'elle, de rire, de s'agiter. En même temps, il était en train de déposer tout ce qu'il avait pris. Cela a continué jusqu'à ce qu'il ait déposé chaque chose à sa place. Et pendant qu'il sortait de la maison en fuyant, elle pouvait l'entendre dans la rue dire « Je n'ai pas peur de toi, tu n'as aucune autorité sur moi. » Vous savez, les Écritures disent que l'ennemi vient comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion, mais il fait beaucoup de bruit. Il raconte beaucoup de conneries, mais sa morsure n'est rien devant ses aboiements. Parfois, bien sûr, nous sommes en train de prier, mais on n'a pas l'impression que quelque chose se passe. C'est comme si l'ennemi se moque de nous, disant « Tu ne vas jamais être en santé, tu ne vas jamais rompre l'addiction, ton fils ne va jamais revenir sur les rails. » Si seulement tu peux rester dans la foi, continuer de prier, continuer de croire, tout ce temps où il est en train d'accentuer le problème, causant des agitations, ce qui ne va pas te dire, c'est qu'il est en train de remettre toute chose à sa place. Il peut mourir, mais il est en train de te remettre tes enfants. Il te remet ta santé, il te remet ta liberté, il te remet tes rêves. Ne sois pas découragé quand les choses s'empirent. Ce que tu as perdu n'est que temporaire. Tout va te revenir. Jésus a dit dans Marc 11, tout ce que vous désirez quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il ne dit pas croyez que vous l'avez reçu quand vous l'aurez vu, quand votre santé est restaurée, quand la percée arrive. La clé est de croire que cela s'est produit quand tu as prié. Quand rien n'a changé, le rapport médical ne s'est pas amélioré, le figuier est toujours pareil. Tu n'as aucune évidence, mais tu crois que lorsque tu as prié, ta guérison est venue. Tu dois le recevoir dans ton esprit avant de le voir dans le naturel. Tu dois être guéri dans ton esprit avant d'être guéri dans ton corps physique. Mais très souvent, nous croyons que nous allons recevoir. Un jour, je serai en bonne santé. Je serai libéré. Cela va nous limiter. La prière de foi dit, quand je prie selon la parole de Dieu, je crois que la chose s'est produite dès l'instant où j'ai prié. Je l'ai dans mon esprit. Tu dois le recevoir dans ton esprit, sinon tu ne le verras pas dans le naturel. Quand on a découvert que ma mère avait un cancer terminal, mon père et elle ont prié le 11 décembre 1981. Ce jour-là, ma mère avait cru qu'elle avait reçu sa guérison. On lui avait donné juste quelques semaines pour vivre. Elle paraissait si jaune. Elle ne pesait que 40 kilos. Rien dans le naturel ne montrait qu'elle était guérie. Pendant des mois, rien ne semblait même différent.
elle ne se sentait pas mieux. En fait, on avait l'impression que le cancer prenait le dessus. Mais ma mère continuait de dire, « Père, merci, parce que le 11 décembre, quand nous avons prié, j'ai reçu ma guérison. Merci parce que ce jour-là, le vent de la bataille a tourné en ma faveur. » Elle a continué de dire merci à Dieu. Elle a continué de se déclarer en bonne santé. Elle a continué de déclarer les Écritures sur sa vie. « Je vivrai et je ne mourrai pas. Dieu va me satisfaire avec une longue vie. » Éventuellement, la guérison qu'elle avait reçue dans son esprit quand elle n'allait pas bien a commencé à se présenter dans son corps physique. Elle a commencé à aller de mieux en mieux. Et aujourd'hui, 33 années plus tard, ma mère est toujours en bonne santé et restaurée. Lorsque tu crois que tu as reçu après avoir prié, tu ne continues plus de demander à Dieu de le faire. Tu commences à lui dire merci. Si j'ai déjà reçu ma guérison, je n'ai pas besoin de continuer de demander à Dieu de me guérir. Le suppliant disant, Seigneur, guéris-moi s'il te plaît. Mais au contraire, tu dois commencer à dire, Père, merci parce que je suis guéri. Merci parce que je suis libéré. Merci parce que je suis béni. Peut-être que tu crois en Dieu pour une bourse. Père, je te demande cette bourse afin de pouvoir continuer mes études. Seigneur, je crois que je l'ai reçue maintenant dans mon esprit. Tu le reçois par la foi. À partir de là, Père, merci pour cette bourse. Tu dois continuer de dire merci à Dieu. Continuer de parler comme si la bourse arrive. Toutes les circonstances peuvent dire que ça ne va jamais marcher. Tu peux ne rien voir changer. C'est là que tu dois creuser plus profondément et dire, je ne vais pas abandonner ce que Dieu m'a promis. Je ne vais pas permettre aux pensées négatives de me mettre à l'écart. Je sais que ce que j'ai reçu dans mon esprit est déjà en chemin. La Bible dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Tu dois retenir fermement ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il y a des forces qui cherchent constamment à nous convaincre que ce que Dieu a dit ne va jamais se produire. Ça fait trop longtemps. Il n'y a aucun signe, sinon cela se serait déjà produit. Non, dans la dimension invisible, les choses ont déjà changé. Le miracle a déjà été mis en mouvement. Les racines des choses qui ont toujours essayé de te retenir ont déjà été coupées. Alors reste dans la foi jusqu'à ce que tu vois les manifestations. N'abandonne pas. Tu peux être tenté de laisser tomber. Tu es sur le point d'abandonner tes rêves, ta santé, tes enfants. Non, accroche-toi encore. C'est plus proche que tu le penses. Tu ne serais pas en train d'écouter ceci si ce n'était pas sur le point de se produire. Quand je grandissais, mon père tenait toujours une grande conférence à Lakewood à chaque Thanksgiving. C'était l'un des plus grands événements de l'année. Il faisait venir des missionnaires que nous soutenons partout dans le monde entier. Un jour, il a décidé de donner à manger à chacun à Lakewood. Alors, des mois avant la conférence, il a prié et a demandé à Dieu de lui donner 2 bœufs. Ainsi, on aura assez de nourriture pour nourrir tout le monde. Il avait cru qu'il avait reçu lorsqu'il a prié. Mais semaine après semaine, il n'y avait aucun signe de bœuf. Il a continué de croire, disant à l'église que les bœufs arrivaient. Mais toutes les voix lui disaient, « Tu es en train de perdre ton temps. Personne ne t'a jamais donné un bœuf. Tu ferais mieux de te contenter des poulets. Mange plus de poulet. » Pendant que l'événement approchait, il a commencé à penser, « Va juste acheter des bœufs, tu en as les moyens, ça ne va jamais se produire. » Finalement, il s'est senti tellement abattu qu'il a arrêté de parler des bœufs et il est allé acheter de la viande pour la conférence. Quelques semaines plus tard, il a fait un rêve une nuit. Dans ce rêve, il a vu un grand serpent sortant des champs. Et à l'intérieur de ce serpent, il pouvait voir les silhouettes distinctes de 2 bœufs. Il s'est réveillé et c'était comme si Dieu lui avait dit, « Je veux juste que tu saches que tu as permis à l'ennemi d'avoir tes bœufs. » Ces bœufs appartenaient déjà à mon père. Dans la dimension invisible, ils étaient déjà en chemin. Mais lorsque nous sommes découragés, lorsque nous cessons de croire, « Ah, ça ne va jamais se produire. Je ne serai jamais en santé. Je ne vais jamais rencontrer la bonne personne. Joël, regarde le figuier. Ça n'a pas changé. » Mais mon défi pour toi, c'est ne perds pas tes bœufs. Ce que tu as reçu dans ton esprit est déjà en chemin. Ce n'est plus qu'une question de temps pour que cela se présente à toi. Retiens ta profession. Continue de croire. Continue de remercier Dieu que cela est déjà en chemin. Dieu est fidèle.
ne permet pas au manque d'évidence de te convaincre que rien ne se produit. Dans la dimension invisible, les choses changent. Les forces qui t'ont stoppé dans le passé ont été vaincues. Les racines de cette dépression ont été coupées. Cette addiction, cette maladie, tu peux avoir l'impression qu'elle est toujours en vie, mais ce n'est qu'une question de temps. Tu vas voir ce que Dieu a promis. La raison pour laquelle cela semble plus difficile, la raison pour laquelle les choses sont pires, c'est que l'ennemi est sur le point de partir. Je crois et je déclare que ce que tu as reçu dans ton esprit est sur le point de se présenter dans le naturel. Tiens-toi prêt pour la guérison, la promotion, la percée, les bonnes personnes, la plénitude de ta destinée. Au nom de Jésus. Et si tu l'as reçu, peux-tu dire Amen aujourd'hui?